Ouvert le mercredi 2 novembre à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le premier colloque international des biosciences sur le développement en Afrique a pris fin ce vendredi 4 novembre 2022. Au nombre des recommandations, le décloisonnement de la recherche scientifique et l'union des chercheurs pour le développement durable de l'Afrique. Retour sur ces recommandations avec nos reporters Konina Nourgo et Richard Akeki. Ils étaient environ 360 participants à prendre part à ce premier colloque scientifique international portant sur les biosciences et le développement en Afrique, CIBIOSDA. Durant 3 jours, les chercheurs scientifiques, entreprises agro-industrielles et représentants de 31 pays ont mené la réflexion sur le rôle des sciences biologiques dans le développement de l'Afrique à travers le thème « Recherche et innovation pour un développement durable ». Les sciences biologiques au service des sociétés africaines. En attendant le CIBIOSDA 2024, c'est par des recommandations que ce premier colloque international des biosciences a pris fin. Décloisonner les différents niveaux de recherche et établir des ponts et des passerelles. Développer des résultats applicables. Apprendre la rédaction des projets. Le binôme recherche privée doit constituer un levier de développement. La recherche doit s'adapter au contexte africain et ses résultats doivent pouvoir aider nos communautés. Désormais, pour nos décisions, nos actes, nos actions, il faut y mettre la nature au cœur. C'est ça qu'il faut retenir. Aujourd'hui, si vous êtes à Bobo, si vous versez de l'eau, vous devez d'abord penser si cette eau-là a un impact sur l'environnement. Pour le troisième axe, agriculture, les choses sont assez claires. Il faut changer nos pratiques actuelles, les pratiques agricoles, bien sûr. Il faut aller vers l'agriculture intelligente. C'est vrai, on a quand même noté que cela demande des moyens. Mais il a été indiqué qu'il faut se regrouper. L'agriculture intelligente peut se faire quand on est regroupé. Quand on est regroupé, on a quand même quelques moyens. Et ça, c'est assez important. C'est ce qu'on doit retenir pour sortir de ce colloque. Ce colloque international portant sur les biosciences et le développement en Afrique a été organisé par l'unité de formation et de recherche biosciences de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et le Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement agricole, CORAF.